Cette vidéo va sauver votre vie. Connectez-vous et puis vous partagez avec quelqu'un. Je ne fais pas. Je ne fête pas la Pâque. Pour vous, c'est une excuse pour être au bar, c'est une excuse pour être en train de ne rien faire. Vous devez apprendre à sortir du conventionnel. Vous devez apprendre à sortir de ce que tout le monde fait. Quand vous arrivez à un moment de votre vie, tout le monde apprécie ce que vous faites. Vous êtes sur le mauvais chemin. Si tout le monde dit que, oh, wow, Rich Jocelyne, wow. Franchement, c'est que je suis sur le mauvais chemin. Donc, je suis là pour vous chauffer un peu. Donc, il y a des enfants qui font leur baptême, quoi, là, ici à côté. Ce qui fait qu'il y a un peu de musique dans le background. Je vais vous donner des règles du succès. Et j'ai beaucoup de témoignages. Je sais qu'il y a les bruits, mais vous m'entendez, hein? Donc, voilà. Vous avez dit, il y a une fête ici à côté. Et vous connaissez le Cameroun. Donc, vous devez apprendre à développer un focus qui est hors pair. Parce que peu importe où est-ce que vous en êtes maintenant, vous pouvez aller plus loin que ça. Une dame m'a appelé ce soir. Je décroche, elle me fait. Elle me dit qu'elle a d'abord prié beaucoup pour que ce soit moi qui décroche son appel. Il dit ok. Elle me dit, et je me rappelle d'elle parce que quand elle est venue pour que je la lave à Yaoundé, elle avait un papier deux formats. Voici une des prières de quelqu'un. Elle avait deux formats remplis, devant, derrière. Deux formats. Elle avait une précision dans ce qu'elle demandait. Je veux tel marché, je veux me marier avec quelqu'un comme ça, je veux telle somme d'argent, je veux ceci d'ici telle date. Elle était spécifique. Ça fait peut-être un mois et demi, hein, 6 semaines comme ça, 6 à 8 semaines. Et là, je l'écoute, je dis. Je lui ai même demandé d'ailleurs de photocopier ça ou de prendre une photo et m'envoie sur WhatsApp ses intentions parce qu'elle était tellement spécifique. Ça m'a marqué. Donc elle m'appelle aujourd'hui, elle me dit que tu peux pas imaginer ce qui est en train de se passer. Et son énergie était tellement high, elle était toute excitée. Elle me dit, après que tu m'aies lavé, la première chose que j'ai arrêté de faire, j'ai arrêté de prier contre l'esprit de, contre le voile sur le visage, contre l'esprit de dépression. Parce que elle dit qu'un matin elle s'est levée, qu'elle voulait déclarer, dit oh, j'enlève tout voile sur mon visage. L'esprit lui dit, mais le voile est déjà enlevé. Pourquoi tu passes le temps à enlever un voile qui est parti? Déclare maintenant que tu es belle. Déclare que tu as la faveur. Déclare que tu. Elle dit qu'à partir de ce matin-là, elle a changé. Ok. Elle me dit qu'elle a commencé à déclarer à nouveau. Quelques jours plus tard, on lui avait donné le numéro d'un monsieur. Elle avait ça dans son téléphone, hein? Mais elle n'avait jamais eu le courage de le contacter. Elle dit qu'elle appelle le monsieur. Elle lui dit, je veux te voir. C'est une personnalité, hein? C'est une personnalité. Il lui dit, qu'est-ce que c'est pourquoi? Elle a dit c'est un truc personnel. Mais le courage qu'elle avait, je crois que c'est ça qui a incité le monsieur à dire, je veux te rencontrer. Garde du corps, ceci, cela. Elle arrive dans son bureau 15 minutes avant le rendez-vous.
Elle arrive, elle entre. Elle attend. Quand il la reçoit, elle dit que la faveur qu'elle a eue avec cet homme, quand elle est venue que je la lave, il y a cela 6 semaines, elle dormait soit dans une petite chambre, soit dormait sur le canapé de quelqu'un. Je ne me rappelle plus trop bien de cette partie de son témoignage. Mais je crois qu'elle était dans une petite chambre. Et elle devait tellement se casser pour payer sa propre pension, qui est de 1 million l'année. Elle-même. Et elle a 2 enfants qui ont déjà le bac, passé le bac. Donc, c'est une femme qui est âgée. C'est pas une cocorico de 28 ans. Là, voilà, alors. Elle me dit aujourd'hui que, à l'heure où elle me parle, elle est logée dans un appartement de 150 000 qu'on a payé un an. On a meublé sa maison à 4 millions de francs CFA. Son école, il restait 700 000 qu'elle devait payer. Il a payé. Il a pris les dossiers de ses enfants. Il va les placer dans de grandes écoles. Elle dit que tu sais quoi, ma reine, je ne peux même pas. Donc laisse, elle dit seulement que laisse. Que j'ai ton cadeau ici là. Elle dit que ne te dérange même pas. Ce n'est même pas vos cadeaux qui m'importent. Je veux que vous puissiez découvrir ce qu'il y a en vous. Tu es assise actuellement là, c'est quelqu'un qui paye ton loyer peut-être. Tu es dans une petite maison, une petite chambre de 20 000. Ou bien un petit appartement de 50 000. Ça, c'est 6 semaines. Hein. 6 semaines. Parce que ça fait au moins 6 semaines que je peux passer à Yaoundé. Et là, elle me dit, mamie, que quand je sors, garde du corps, quand je pars, même pour. Elle dit qu'elle me. Ouais. Et là, elle me dit, tu sais, quand tu parles, elle-même qui dit que je sais qu'il y a les gens qui te regardent seulement comme la télé, comme tu dis souvent. Mais il y a quelques personnes qui écoutent ce que tu dis. Et qui prennent ça à cœur. Et ça devient pour eux un mode de vie. Elle me dit qu'elle a mangé le don jusqu'à sa langue voulait me seulement quitter. Et même jusqu'à présent, elle continue. Et c'est là qu'elle dit que, comme tu dis souvent, tu vas faire des conférences, on va venir avec les Cayennes et les Ferrari. Que oui, moi j'ai confiance, que je vais venir aux conférences là. Écoutez, je ne suis pas une page Facebook comme les autres. Et si vous allez me regarder comme la télé, désabonnez-vous, partez. On est en train de parler de votre vie qui peut changer du jour au lendemain. Est-ce que vous avez récemment peut-être 10 personnes, 10% d'entre vous qui se lavent avec le sel? Et chaque soir, je suis sur votre téléphone, je parle. Tant que vous n'arrivez pas à un niveau où vous dormez avec mes vidéos, tu mets ça joue, tu te réveilles, tu sursautes à 2 heures, c'est ma voix qui est en train de parler. Ce que vous n'êtes pas encore commencé. Vous n'êtes pas encore désespéré de votre vie. Vous n'êtes pas encore désespéré de votre vie. Ce que vous ne serez pas en train de manger les œufs de Pâques. Les œufs, c'est quoi? Est-ce que vous savez qu'on vous a vendu le rêve? Tes rêves s'arrêtent quand tu commences à t'établir, quand tu dis, oh oui, allons à la fête, allons chez des amis pour le week-end, allons. Tu perds la vision du futur. Quand tu deviens trop confortable. Maintenant, voilà, j'ai ma petite maison, j'ai ma femme, on va se marier. Ben bien, on va avoir un enfant, c'est tout. C'est le début de la fin de ta vie. C'est le début de la fin de ta vie. Arrêtez-vous, joyeuse Pâques là. Je n'aime pas ce qui est conventionnel. Noël, Pâques, quoi encore, toutes vos fêtes là. Qu'est-ce que le lapin et les œufs ont à voir avec Pâques?
Je vais seulement m'arrêter là. Je vais donc vous partager mes règles du succès. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qu'en 2 semaines, en m'écoutant, leur vie change. Il y a des gens qui tombent sur ma page. En 1 mois, j'ai un jeune homme de 21 ans qui a témoigné aujourd'hui quand on a fait le service. À un moment, on a commencé à faire des témoignages. Il faisait la moto. Hein. Il vient acheter le kit de 50 000. Le jour où il est arrivé ici, on lui a dit que mince, l'enfant, c'est là. Tu fais la moto. Tu passes 50 000, tu viens. Premier jour d'abri, il paye 25 000, il vient s'asseoir que je le consulte. Il dit, mais tu as quel âge? Il me dit, j'ai 21 ans. Après, pour le kit de déblocage. 10 jours après, il vient pour le kit de commerce. C'est aujourd'hui qu'il a fait son témoignage complet. Il dit, quand il a pris le kit, là, il a commencé à utiliser. Ce qu'il gagnait en 1 mois, il a commencé à gagner en 1 semaine. L'ouverture d'esprit. Vous êtes trop confortable. Je vous emmène dans quelque chose qui est comme les escaliers. Si j'ai pu monter 2 marches en 1 jour, pourquoi m'arrêter à la 2e marche? Pourquoi ne pas monter 2 marches chaque jour? Si je continue constamment et avec persistance, dans 10 jours, je serai à la 20e marche. Dans 20 jours, je serai à la 200e, à la 40e marche, pardon. Votre problème, c'est que vous vous arrêtez. Vous écoutez ce que je dis. Après, vous vous arrêtez. Je vous ai dit l'autre jour que j'ai une maman qui a payé, elle a payé sa dîme. Pendant 3 mois, elle a payé 1500 de dîme. L'autre jour, elle venait me donner 28 500 de dîme. 28 500 de dîme. Et quand elle paye cette dîme-là, en priant, j'ai dit tout que Seigneur, si tu as pu faire quelque de 1500 à 28 500 en 3 mois, Seigneur, fais quelque de 28 500 si elle monte encore même à 40 000. Vous vous arrêtez. C'est votre erreur. Règle numéro 1 du succès. Qui est là? Pardon? Tu es rentré où? Tu n'es pas à la maison là? Tu n'es pas à la maison? Eric est à la maison. Mais appelle-la alors. Vous devez, l'erreur que vous pouvez faire, c'est de vous arrêter. Donc, je vous introduis maintenant mes règles de succès. Ça, c'est mon livre à moi, hein. C'est ma Bible que j'ai écrite. Règle numéro 1. Je n'ai pas de repos jusqu'à ce que je gagne. Je n'ai pas de repos jusqu'à ce que je gagne. Tant que je ne gagne pas, je ne m'arrête pas. Tu es arrivé dans le pays où tu es là. Tu avais des rêves, tu étais là. Ah! 5 ans plus tard, tu es assise. Depuis 3 ans, tu es sur le même salaire. Tu as laissé tous tes objectifs que tu avais. Tu es en train de faire une grande erreur. Règle numéro 2, tu dois te mettre la pression tous les jours. N'attends pas que la vie vienne te mettre la pression. Écoutez bien. J'ai les jours, je me réveille, je me dis, si quelqu'un vient me dire, si on me kidnappe, ou si on vient me dire, si tu n'as pas 100 millions, dans 3 semaines, tu vas mourir. Je suis sûr que je vais partir, je vais, même s'il faut que je coupe, je sais pas quoi, je vais créer 100 millions. Tu sais, parfois je suis, voilà la fête, non, voilà la fête.
J'observe, il y a des gens qui m'ont invité hier et aujourd'hui, même la fête qui est ici, là, on m'a invité. Quand je vois comment les gens, tu vas voir quelqu'un dans la vie de chaque jour. On va te dire, je n'ai pas l'argent. Ouais, je n'ai pas l'argent, je souffre. Il va organiser la fête pour faire plaisir aux gens. Quand tu vas venir voir ce qu'ils dépensent dans la fête là, tu dis, mais est-ce que ça a du sens? Tu vis sur 50 000 au mois. Tu organises une fête où tu vas dépenser 250 000 pour nourrir les gens. Est-ce que c'est normal? Non, dites-moi vous-même. Et ce sont des choses comme ça qui vous font. Ça vous... Tu commences quelque chose, tu préfères investir pour que les gens voient. On dit que vraiment sa fête était bien. Oh mais franchement. Le lendemain, tu repars dans le même boulot. Tu cherches encore l'argent. De temps en temps, tu demandes de transport aux gens. Votre problème, c'est que vous ne savez pas comment vous mettre la pression. Tu peux aller prendre la pression. Oh non, il faut que la fête là soit grandiose. Il faut que la fête là soit comme ça. Il faut que. Si tu aurais pu te mettre la pression pour construire ton business, les 250 000 là, tu aurais pu aller chercher 250 000. Tu lances un business avec. Les 250 000 allaient te donner chaque mois en extra 50 000. Maintenant, avec ton travail et le business à côté, tu as 100 000 au mois. Votre problème, c'est que vous réfléchissez très. You're short-sighted. La vision n'est pas loin. Règle numéro 3, le succès. Ne sois pas confortable. Ne sois pas confortable. Ne sois pas confortable. Bon voilà, j'ai déjà ma petite maison, j'ai ma voiture, j'ai mon boulot, on me paye 5 000 $ le mois. Ça va. Mes 15 prochaines années, je vais rester sur le même salaire. Tu te tues. Tu es en train de tuer ton succès. Le succès ne viendra pas par hasard sur toi. Ça ne va pas tomber par hasard. On va dire, j'ai cogné mon pied sur 20 millions. Oh my God. Vous avez perdu la clé de votre immeuble. Vous me donnez votre immeuble. Oh my God. L'ambassade des États-Unis m'a contacté. Je n'ai jamais déposé mon visa, mon passeport là-bas. Hein. Mais ils m'ont demandé de venir avec mon passeport, me mettre le visa. You have to go for it. C'est toi qui dois poursuivre la chose. Quand j'arrive quelque part, on me dit que voici la personne. Voilà la personne la plus riche ici. Voilà l'immeuble le plus cher de la ville. Voilà le vin le plus cher. Voilà la boîte de nuit la plus chère. J'aime le mot là. Parce que pour moi, ça devient un objectif. J'ai dit, ok. Les appartements les plus chers de la ville, c'est 5 000 $ le mois. Hein. D'accord. Super. Donnez-moi 3 mois, je vais vivre là-bas. Je vais vivre dans l'immeuble là, je vais voir le feeling que ça fait. L'homme s'y a construit l'immeuble ici. Il a construit ça à 500 millions de francs CFA. D'accord. Super. Donnez-moi 2 ans. Donnez-moi 2 ans. Give me 2 years. Make it one. Tu as un objectif déjà. 500 millions. Est-ce que vous savez que 500 millions, si tu fais 1 million la semaine, non, c'est même. Si tu fais 1 million le jour, en un an, tu as 300 millions déjà. Le guet-apens, on vous a piégé. 500 millions. Dites-toi seulement que je cartonne, je ne me repose pas. Pendant 2 ans. Je travaille 300 jours l'année. Chaque jour, je dois cartonner et avoir 1 million que je dépose de côté.
et je ne touche pas. Donc je dois produire au moins 3 à 4 millions le jour pour pouvoir mettre un de côté et que mes affaires tournent. Tu fais ça pendant 300 jours, tu as 300 millions de francs CFA de côté. Tu payes ta maison. Ta maison de 500 000 euros est payée. Vous avez besoin des grandes idées que ça touche votre tête. Toutes les personnes qui ont fait les grandes choses dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, ils avaient des objectifs clairs. Ils avaient une vision. Je veux être pertinent, monsieur Cyril Fosso. Je cherche la pertinence. Je veux les actes. Je suis trop à la télé pour vous. Ah, elle parle encore. Ah, elle est encore en direct. Oh. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu repars demain 50 000 le mois. Tu n'as pas honte. 50 000 le mois. 100 000 le mois. Pendant que les gens se font 20 millions le mois. Gars. Non, 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 non. Vous dormez. Règle de succès numéro 4. Venant de moi. Qu'on ne puisse pas vous prédire. Be unpredictable. Soyez plein de surprises. Qu'on ne puisse pas voir tes mouvements. C'est généralement votre famille qui peut vous coincer comme ça. Oh non, Jocelyne a un cœur doux. Oh non, 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 son cœur. Non, elle va accepter, elle va accepter. Va la voir, tu lui dis. Va la voir, tu lui demandes. Oui, oui, va lui demander, elle va accepter. Il arrive, tu ne le reçois même pas. Tes employés sont confortables. Ah non, non, elle va rien faire, elle va rien faire. Elle va rien faire. Elle va rien faire. Tu les renvoies tous. Tu remets une nouvelle équipe la semaine qui suit. Ils sont choqués. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Qu'on ne puisse pas vous prédire. Qu'on ne puisse pas rester comme ça. On dit que... Non, 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 non. 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 C'est parce qu'on vous pompe, vous saigne, vos ex vous saignent. Moi, je sais que c'est fait comme ça. Il suffit que lui envoie les fleurs. Je lui envoie un petit message. Je lui dis qu'elle aime. Elle fond directement. Elle vient toquer à ma porte. F you. La femme que tu as connue, elle a changé. Elle a disparu. Vous devez mourir pour renaître. L'ancien vous doit mourir. Avec les sentiments que l'ancien avait. Quand vous parlez de naître de nouveau, vous croyez que c'est quoi? Ce n'est pas dit Jésus, Jésus, je t'accepte. The old you has to die. Tu meurs totalement. Mais je suis ton ami, non? Tu n'as pas le boulot pour moi. Je fais le business. Tu as quelles compétences à mettre sur la table? Parce que si elle te prend comme tu es là, demain tu vas me faire le chantage. Soit tu vas piquer dans mes poches. Soit tu vas te retourner mon staff contre moi. Qu'on ne puisse pas anticiper vos mouvements. Be unpredictable. Ça, c'est ma règle numéro 4 du succès. Règle numéro 5. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi, quand tu partais, tu demandais l'argent aux gens. On t'insultait. On venait t'offrir une bière, on t'insultait avec la bière. Tu disais qu'un jour, je serai aussi. One day, one day, one day. Partagez mon direct si vous êtes intéressé. Si vous n'êtes pas intéressé, ne partagez pas. Sortez de mon direct. Je m'en fous. Parfois, vous oubliez trop vite. Tu oublies. Tu as dormi sur le canapé de quelqu'un pendant un an. Oh! Tu as conçu l'empire d'un homme avec lui. 15 ans plus tard, il te met à la porte avec les enfants. Tu oublies? Oh my gosh! Je dois te fouetter un peu. Rappelle-toi, ma souffrance, c'est mon carburant. Je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas d'où je viens. Je pardonne, mais je n'oublie pas.
Oui. Tu as piqué dans mes poches. Tu m'as exploité. Tu m'as fait les enfants. Tu es parti. Tu m'as laissé à terre. La maison qu'on a construite ensemble, tu m'as laissé, tu m'as chassé. Maintenant que je suis remonté, 5 ans plus tard, tu reviens, tu dis je suis le père de tes enfants. Ah oui, ce n'est que ton titre. Ce n'est que ton titre là-bas. Le père de mes enfants. Ou encore mon ex. Vous avez des patrons qui vous ont fait des promesses. Travaille pour moi 2 ans. Je vais te donner là, je vais offrir ta part. Tu t'investis à 1000%. Travaille, je vais t'envoyer à l'étranger. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Bah, moi j'en ai des histoires. Hein. Pour moi, je me rappelle toujours de là où je viens. Je peux même pas oublier. Je peux pas oublier. Mm-mm. Non, je peux pas. C'est bien ça, Sissi. Faut avancer. C'est mon boulot. Je suis là pour vous. Vous allez avancer. Parce que moi-même, je ne dors pas. On ne me laisse pas tranquille. Je dois vous pousser pour que vous avancez. Tu dois te rappeler quand tu es parti. Tu as demandé un endroit pour dormir. Parce qu'on t'a mis dehors à minuit. Après t'avoir tapé. On t'a insulté que tu ne vas jamais réussir. Tu ne seras jamais rien. Sans moi, tu ne seras rien. Les belles familles qui vous ont insulté. On va te doter, après on te jette. Tu n'arrives pas à croire que ces gens qui sont venus sourire. Sourire, danser pour venir prendre ta main. Demain, ils te jettent. Oh, heaven no, I'm not forgetting. Ça fait que quand quelqu'un vient, il dit, mais attends, tu te retires à 15 000 $ le mois. Mais tu veux, tu dis non. Non. Je dois acheter toutes les voitures de tous mes ex. Je range ça dans mes parkings. Je dois construire même 7 immeubles. Acheter même 3 jets. Ça, c'est rien. This is nothing. Ce que tu vois, le succès que tu vois maintenant, là, ça, c'est du passé. Ça, j'ai rêvé ça, ça fait 4 semaines. Ça, j'ai rêvé ça, ça fait 4 semaines. Donc tu peux même dire m'arrêter parce que je dois rêver ce que je dois produire dans 4 semaines. That's how we live. Rappelez-vous d'où vous venez. Tu pars, tu déposes l'enfant chez la nounou. Tu cours, tu pars à l'école. Tu finis, tu reviens chercher l'enfant. Vous courez sous le froid. Oh, vous attendez le bus. Vous êtes comme ça là. Après ils ont pris tout ton argent que tu as, ce que tu as économisé le temps là, on a pris. Oh, vous m'avez donné la rage pour produire encore plus. Je sais maintenant que j'ai pas besoin de travailler avec ma famille. Tout l'argent que vous aviez pris là. Il y a même d'autres pays où vous partiez investir. Vous n'avez pas besoin d'investir forcément au Cameroun. Parce qu'il y en a parmi vous, vous travaillez dur. Vous êtes des bosseurs. Tu as essayé de construire ton hôtel au Cameroun, ça n'a pas marché. Va construire l'hôtel à Abidjan. Va construire l'hôtel ailleurs. Tu vas voir comment en 6 mois, tu vas faire ce que tu as essayé de faire ici en 6 ans. Ton argent, que tes 20 000 $ qui sont dans le compte là que tu as économisé. Pense, think better. Rappelle-toi d'où tu viens. Yes. Rappelle-toi des douleurs. Toutes les douleurs qu'on a mis sur toi. Foyer ou abusé. Taper, on te tapait dessus. Quand j'étais petit, on te menaçait. Ça reste dans ta tête. C'est ça qui te motive. Premièrement, je ne veux pas repartir là-bas. Je disais à mes petits frères ce matin que on m'a trop manqué de respect dans ce pays. Trop. Pour que je ne réussisse pas. Les femmes, vous savez ce que c'est que quand tu es une femme et que tu n'as pas l'argent. J'ai pas besoin de vous dire. Quand tu es une femme, tu es belle, tu n'as pas l'argent. Oh, tu as cherché des problèmes, tu habites toi. You just look for trouble.
Hey, une belle fille comme toi, je vais te situer, non? Belle fille comme toi, viens la voir à mon hôtel. Qu'est-ce que tu n'as pas déjà entendu? Quand tu sors de là, tu dis, won't happen to me again. Ça ne va plus m'arriver. Règle numéro 6 du succès, selon la reine Jocelyne. Vise encore plus loin. Tout ce que tu vois est possible. Si tu vois que quand il te dit, j'achète une voiture à 100 millions de francs CFA, et tu le vois devant toi, quand tu peux le toucher, quand tu peux le toucher comme ça, toi aussi tu peux acheter la voiture à 100 millions. Si, pourtant c'est moi, hein. Si je te vois, si ça, je vois déjà ça, ou bien si l'idée entre dans ma tête, c'est possible. Pour moi, c'est seulement question de temps. Question de temps. Just give me some time, baby. Give me some time. I'll show you. Et votre problème, c'est ça. Quand vous voyez comme ça, dit, ah, ce n'est même pas. Ah, c'est seulement les gens, les blancs qui peuvent faire ça. Ah, c'est seulement les. Non. Règle numéro 7. Lève-toi toujours après avoir échoué. En fait, il n'y a pas d'échec. Tu échoues quand tu as décidé de t'arrêter. Peut-être qu'à l'heure où je te parle, tu as 5 000 francs dans ton compte Orange Money. C'est tout ce que tu as sur la terre. Tu as fait faillite. Look, relève-toi. Ramasse-toi du sol là. Parle-toi à toi-même. Josué 1, versets 6, 7, 8 et 9. Josué, lève-toi. C'est avant que tu aies atteint 20 millions le mois. Quand tu vas remonter, tu seras dans 50 millions le mois. Ça, c'est moi là-bas. Peu importe d'où je tombe, je sais que quand il veut me lever, je vais aller plus haut que ça. Donc pendant que je suis dans la dépression, pendant que ça me casse la tête, je dis que non, je vais me lever encore plus fort que ça. En fait, tu arrives à un moment où tu tombes rapidement, tu te lèves vite. Genre, tu fais un investissement. Il y a des jours où je perds 1 million, 2 millions. En une journée. Hein. Avant, quand je perdais ce genre de somme-là, je pouvais prendre 6 mois pour me relever. Non, le lendemain, je suis encore debout. Pam, 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 je relance. Tac, je relance. Si j'investis là-bas, c'est comme ça. That's how it goes. Règle numéro 8. N'accepte le chantage de personne. Écoute bien. J'ai dit que ma Bible, ce qu'elle avait écrit là, c'est trop. Ça, c'est ma Bible. La Bible de la réussite selon Reine Jocelyne. N'accepte le chantage de personne. Voilà, je vais faire comment? Je n'ai pas les papiers. Je dois accepter, non. Je n'ai pas le choix. Je suis bloqué ici. Si elle ne fait pas, ça va faire comment? Te voilà, bloqué là-bas. J'ai les enfants. S'ils n'acceptent pas le boulot, s'ils veulent faire comment? Tu parles de quoi? N'accepte le chantage d'aucun gouvernement, d'aucun être humain, d'aucun homme ni de femme. Parce que l'ennemi se nourrit de ta peur. Et moi, généralement, quand j'ai peur de quelque chose, je m'assois, je visualise toute la chose du dé. Donc, ok. Si j'ai peur que mon mari me trompe, il va m'asseoir, il va visualiser. Ok, s'il me trompe, ok, trompe-moi alors, oui, d'accord. Voilà, j'avais peur que je tombe sur le message d'une femme, ok. Voilà, j'ai vu le message. Je vois, ça me fait mal. Je pleure. Je te demande, tu manques. Tu me dis non, c'était pas ça, nanana. Après, tu l'appelles encore. Tu te réconcilies avec elle. Après, le pire qui peut arriver, c'est quoi? C'est que tu me quittes, tu peux rester avec elle. Je vois tout ça dans ma tête. Après, je me tourne dans le film, je me regarde. Je dis, est-ce que tu es morte? Est-ce que ça t'a tué? Je dis non.
Dans mon film, hein, il est parti, il m'a laissé. Il a préféré une autre femme. Je suis couchée, je dors, j'ai un peu pleuré. Mais ça va. Si vous n'affrontez pas vos peurs vont continuer à vous bloquer et vous hanter. Tu as peur qu'on te rapatrie, non? Assois-toi, tu visualises comment on te rapatrie. Tu arrives au pays, est-ce que tu meurs? Vous croyez qu'on touche la tête du Cameroun, on meurt? Vous pensez que quand on touche la tête du Cameroun, on meurt? Assois-toi aujourd'hui. Vois ta peur, la voix. Fais face à vos démons. Vous allez voir que vous n'aurez plus peur de quelque chose. On va plus faire le chantage. Ah, je reste ici, je n'ai pas le choix. Je ne rappelle pas la dernière fois que j'ai dit je n'ai pas le choix. J'aménage chez toi, tu me fais chier. Pouf, je suis parti. Je commence à sortir avec toi, tu me fais chier. Pouf, je suis piqué. Quoi? What? Qu'est-ce que les gens vont dire? Il faut faire la face, non? Il faut que les gens, moi, il faut que les gens voient que on est heureux ensemble, babe. On voit, ça se, on sait tous les deux qu'on est pas heureux. Ne fais pas le chantage. Tu sais qui te ralentit. Tu fais les efforts, tu le poules, tu le tires toujours avec ton argent, tu le tires avec tes encouragements, tu fais tout. Dès que tu le laisses un peu comme ça, là, piou, il est reparti encore, il est tombé en bas. C'est quoi? Tu as sur toi un fardeau, tu as un fardeau sur ton pied, c'est pour ça que tu n'avances pas. À ce temps, tu visualises, vous arrêtez la relation, il est parti, tu es seul, et puis quoi? Tu meurs? Les femmes qui sont seules meurent? Les gens qui sont seuls meurent. Règle de succès numéro 9 de la part de la reine Jocelyne. Ne laisse aucun locataire dans ta tête s'il ne paye pas le loyer. Bon, en français, plus facile. Ne prends pas d'offense de quelqu'un. Pardonne aussi rapidement que tu respires. Écoutez, hein, voici votre forteresse, voici votre Alcatraz, voici votre tout ici, tout est là-dedans, là. Quand tu tombes ici dedans. Quand tu ne veux pas pardonner, ça commence ici dedans. Donc ce que tu fais, c'est quoi? Tu décides. Et dis bien, tu décides. Tu es venu, tu as fait faux banque, tu as pris mes 1 million, tu es parti avec. Super, je n'ai pas un mois à passer au commissariat pour te porter plainte. Parce que les 1 million là, je les refais demain. Oh, il m'a fait du mal, je le déteste, comment il a pu me faire ça? Non, 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 pardonne le gringo, tu le laisses partir. Je te bénis, bye. Ne prends pas d'offense. Ça occupe de l'espace dans ta tête et dans ton cœur. Parce qu'on attire avec l'émotion. Quand tu mets le cœur, quand tu mets tous tes poumons sur tes choses, quand tu fais tes déclarations avec le don le matin, je reçois ça, je prends, ouais, je prends ça. Tes émotions, ce n'est pas pour haïr quelqu'un. Tu n'as pas le temps pour ça. Ça te coûte de l'énergie et de l'argent. Oh, règle numéro 10. Oh, l'autre aussi est sucré. Comme la pina colada. N'accepte les louanges de personne. Les louanges, c'est comme un poison. Oh, waouh! Waouh! Jocelyne, tu as compris tout ça? Oh, franchement! Bravo, je suis fière de toi. Je suis tellement fière de toi, tu sais. Waouh! Franchement, tu es la meilleure. Tu es la plus belle. Tu es la ligne. What? Oh non. Ne reste pas dans le village là. Le village louange. Je ne veux pas savoir si c'est facile ou pas. Je m'en fous de ça. On continue à mettre vos messages et c'est pas facile. Là, je vais vous bloquer.
pas de louange. Les gens qui te louent aujourd'hui, de qui tu prends ta force, qu'elle a dit que je suis belle, elle a dit que je suis forte, elle a dit que je suis intelligente. Demain, quand ils ne pourront plus extorquer de l'argent de vous, ils vont vous descendre sur le champ. Faites très attention. Hein, la fille là, hein? Pardon. Pardon. Elle utilise les gens. Pardon. Elle est trop égoïste. Non, elle là. Alors que hier, on te disait, ah, tu es là. Oh, waouh, tu es tellement généreuse. Qu'est-ce que je serais sans toi? Franchement, je t'admire. Tu es forte. Tu es vraiment forte. Vous savez, I don't take praises. I don't take praises. Like, I'm like, what the heck is this? I don't take it. Quand elle veut m'apprécier, elle m'apprécie moi-même. Jocelyne, you're doing good. Jocelyne. Wow. Yes. Ce qui fait que quand vous venez ajouter pour vous dessus là, ça fait comme l'eau sur les plumes du canard. Ça descend. C'est un... Si je prends mes louanges de vous, le jour où vous voudrez me descendre, je ne pourrai rien faire. Donc, règle numéro 10, n'acceptez pas les louanges des gens. Et les louanges vont vous rendre confortable. Comme tu fais déjà mieux que 5 personnes de ta famille, comme la moyenne des gens de ta famille. Tu vas maintenant, oh waouh, franchement, je suis mieux que lui, ouais. Faut déjà que je me relaxe un peu, non? Je peux déjà... Non! Tu ne fais que commencer. Règle numéro 11 du succès. Déclare tes rêves. C'est pour ça que le don est capital pour vous. Speak out your dreams. Je suis la plus grande prédicatrice. Je suis la plus belle femme. Je suis la plus riche. Je suis la plus... Tu parles. Speak out. Tu vas t'habituer à entendre tes objectifs dans tes oreilles. Parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes dans des relations que vous n'osez même pas dire quels sont vos objectifs à vos gars. Vous savez ça, non? Dès que tu commences à dire que ouais, je veux faire ça, tu attends d'abord un silence plat. Je ne sais pas si le silence est le silence haut. Il y a les consultations. Je fais les appels vidéo pour les consultations. Je suis à Yaoundé mardi. Si je ne tomberai plus malade, c'est fini. Je suis à Yaoundé mardi. Donc, Guinée équatoriale, consultation en vidéo. Tu dis, ouais, chérie, je veux qu'on ouvre tel truc là-bas. Tu vois, j'ai économisé un peu d'argent pour acheter mon... Je vais vendre mes mèches. Tu entends le silence plat. Ah, chérie. Bon gars. Tes rêves là, garde ça pour toi. Va dire ça dans ta douche à 4h35 le matin. Speak them out. Parle. Déclare. Je souhaite vous donner les règles du succès selon l'évangile, selon Saint Jocelyne. Règle numéro 12, sois prête à changer les plans, à ajuster tes plans rapidement. Il ne faut pas être figé dans tes plans. Ouais, si ce n'est pas comme ça, non vraiment. Si c'est, non, moi j'avais prévu de faire ça. Non. Quand ça ne donne pas, pendant qu'on entend t'annoncer que ça ne donne pas, que tu allais trouver un autre plan B, plan C, plan D, plan Z. Après Z, tu crées encore les lettres. Vous comprenez? Tu dois toujours avoir un autre plan. Et sois prêt à changer et t'adapter au nouveau plan. Malheureusement, pour les choisis qui veulent avancer, ce sera très difficile pour vous d'être en relation. Parce que quand vous écoutez ce que je vous dis et que vous n'êtes pas en phase avec votre partenaire, même si vous deux vous écoutez ensemble, ce sera très difficile. Ce sera très difficile. Donc, à un moment, vous allez devoir choisir. C'est une parenthèse. Vous allez choisir.
très peu de relations sont faites de deux personnes qui sont en face, qui vibrent en face. Là. Tu parles, allez, sautons. Je suis allé là-bas, j'ai visité, c'est bien. Il faut qu'on ouvre un magasin là-bas. Chérie, ah non, non, tu penses pas que. Non, chérie, non, quand même. Non, mais voilà. Il te boude pendant 2 semaines, ou bien il te boude pendant 2 semaines. Tu l'as encore la force, c'est ma. Elle traîne du pas. Alors qu'elle va aller gérer une succursale de l'autre côté. Toi, tu gères ici. C'est une parenthèse, je vais m'attarder beaucoup là-dessus. Un jour, je vais parler de ça. Règle de succès numéro 13. Je vais d'abord relire toutes les autres règles de succès avant de lire la 13 et 14. Donc, règle numéro 1. Je ne me repose pas tant que je n'ai pas gagné. Règle numéro 2. Je dois me mettre la pression tous les jours. Règle numéro 3. Ne deviens pas confortable. Ne reste pas quelque part, tu commences à t'étendre, tu dis... Ah, yes, Costa Rica, let's nope. Ne sois pas confortable. Règle numéro 4. Sois toujours quelqu'un qui peut surprendre les gens. Sois imprévisible. Règle numéro 5. Rappelle-toi d'où tu viens. Les douleurs que tu as ressenties. Le rejet. Tout ce qui constitue une fondation, si bien que ça te donne la motivation pour que tu avances. Rappelle-toi, remember where you come from. Règle numéro 6, vise toujours loin. Si tu vois, tu peux. Tu vois quelque chose, ou bien si l'idée entre dans ta tête, tu peux. Tu peux. Règle numéro 7, quand tu tombes, relève-toi, tu avances. Ne t'arrête jamais. Tu tombes, lève-toi. Tu tombes, lève-toi. Essaye encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on te mette sous la terre. Règle numéro 8. Ne prends le chantage. N'accepte le chantage de personne. N'accepte la merde de personne. Personne n'est ton Dieu. Que personne ne te fasse du chantage. Et si pour l'instant on te fait du chantage, Sam et no. I'm more than that. I have a lot of testosterone, you know. Règle numéro 8. Qu'on ne te fasse pas de chantage. Et si pour l'instant tu es sous le chantage, tu dois avoir une stratégie pour sortir de là. Tu as une stratégie. You have to be smart. You have to be smart. Tu arrives quelque part comme ça, tu penses vite. Pense vite. Fast. Think fast. L'argent là, ça ne dure pas pour venir. C'est comme ça, là, ça ping, 20 millions dans le compte. C'est vite, vite, vite. Règle numéro 9. Ne reste pas sur les petites choses. Les faux problèmes. Ma bailleresse a mis la poubelle dehors. Ma bailleresse a mis... Déménage de l'endroit là. Ne t'attarde pas sur les petits trucs, les faux problèmes. Pardonne, tu avances. Règle numéro 10. N'accepte les louanges de personne. Don't accept praises from nobody. Règle numéro 11. Déclare tes rêves. Ne ferme pas ta bouche. Parle. Choisis les bonnes personnes devant qui parler. S'il n'y a personne, toi-même, parle à toi-même devant. Tu n'as pas besoin de spectateurs. Malheureusement, le succès, plus tu arrives au top, plus the highest you go, the loneliest it becomes. Plus haut tu vas, plus tu vas devenir seul. Il y a des projets que tu ne vas même pas partager avec les gens. Ils vont seulement voir ce que tu as fait. On se rend compte que tu as acheté une nouvelle Mercedes. 0 km au compteur. Tu ne nous as pas dit. Ok, c'est comment? C'est vous qui payez. C'est mon argent, non? Voilà. Règle numéro 12. Soyez prêt à changer vos plans rapidement. Rapidement. Quand il y a un truc imprévu, tu ajustes. Tu penses vite. Plan A, B, C, D, Z. Je vais créer un alphabet. Je vais augmenter les lettres de l'alphabet là. Comme ça, on aura des plans. Il faut que j'augmente en quand même 20 lettres sur ça. Règle numéro 13. Ah, c'est facile, votre bonus. Faites confiance à votre direction intérieure. Vous avez une boussole en vous. Si jamais vous écoutiez vous-même,
50% du temps. Oh Seigneur, que vous seriez loin. Que vous seriez loin. Et je vais ouvrir un petit truc ici là. Tu en penses quoi? Non, tu penses à ça, non, c'est un peu tôt. Tu es une femme, tu ne peux pas gérer ça. Non, 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 non. Il faut d'abord que tu sais prendre d'abord du temps. Voilà. Tu aurais pu ouvrir ça dans 5 jours. Écoutez votre voix intérieure. Trust your inner guts. Vous ne vous faites pas confiance. Vous préférez écouter tout le monde sauf vous. Oh non, you fail yourself too much. Ton instinct te dit qu'arrête ça. Quitte le gars ici. Tu rentres le soir et te fait l'amour. Oh, ou c'est le genre d'amour que tu as encore vu. Oh. Oh. Te voilà encore. Non, tu sais, moi je vais pas quand même. Laissons encore un peu pour voir. Faites confiance à votre intérieur. Très important. Très important. Ne doutez pas de vous. Don't second guess yourself. Vous êtes trop intelligent. Le truc, c'est que si vous êtes encore de m'écouter, il n'y a que les gens intelligents qui peuvent m'écouter longtemps. Parce que le genre que je parle, j'ai une façon de parler là que si tu ne vis pas pareil, tu vas pas rester longtemps à côté de moi. Tu ne vas pas m'écouter longtemps. À un moment, tu vas trouver que ce que je dis n'a pas de sens. Voilà le bonus final, la crème de la crème. Bon, ok, il ne faut pas que je sois distraite, ok? Le chemin va toujours apparaître. Il y a quelque chose que tu as envie de faire depuis. Et tu ne sais pas comment. Comment est-ce que c'est possible? Tout ce que tu sais, c'est que tu as l'étape 1 et 2. L'esprit te dit, bouge, move. Tu dis, je ne peux pas. Saute. Les ailes vont apparaître sur tes épaules. Jump. Your wings will come out. I'm telling you. You are your only you. You are your own enemy. Because you allow people to downgrade you. Il y en a parmi vous, vous êtes de bons chanteurs. Vous n'avez jamais osé prendre 100 000 dollars en studio et enregistrer ma chanson. Vous croyez que qui va le faire pour toi? Non, je vais rencontrer un gars qui croit en moi. Personne ne va croire en toi. Écoutez la vidéo aussi même 3 fois, comme tu as dit là. Pendant 20 jours, écoute la vidéo aussi chaque matin. Enregistre sur ton téléphone, tu écoutes. Je vous ai donné un témoignage d'une dame au début, non? Elle avait le numéro de son gars là dans le téléphone. Hein. On lui avait donné 5 jours, elle n'a jamais osé appeler l'homme. Elle est venue, elle a fait son lavage. Un courage est sorti d'elle. En fait, c'était déjà en elle, mais elle avait peur. Maintenant, toutes ces peurs-là se sont estompées. Elle ne me met pas encore au téléphone, cherche son numéro, elle appelle la personne. Que je veux te voir. Tu qu'elle est entrée dans le bureau là comme une reine. Elle dit que gars, je dois donner à la femme ce qu'elle veut. Oh. Vous ne savez pas. Moi, l'une de mes plus grandes peurs, ce serait de mourir sans avoir fait tout ce que je peux, toutes mes possibilités, sans avoir exploré mes possibilités. Je peux aller à Hong Kong, je peux aller à Dubaï, je peux aller, like, you know. On a des possibilités infinies. Mais tu es bloqué à Bafoussam depuis. Tu peux te lever, tu pars à Abidjan, tu t'installes. Tu peux demander ton visa, tu peux t'installer au Canada. Je veux explorer toutes mes possibilités. Je veux rester comme ça, je dis. Oh, j'ai envie de faire du surf. Je surf. J'ai envie de...
Je veux explorer mes possibilités. Bon. J'ai terminé. Ce soir, j'étais assez expéditive. Je passais parce que j'avais un message clair et concis, net, que je devais délivrer. Et ma mission était accomplie. Si vous venez d'arriver, regardez cette vidéo encore. Regardez ça chaque jour pendant au moins 20 jours. Donc, j'ai donné ici là 14 règles du succès selon la reine Jocelyne. Appliquez ceci, vous allez voir. Votre vie va changer en 10 jours. C'est pas de la blague. Moi-même, je prends mon propre médicament. I take my own medicine. Ok. Il faut que je parte à la fête danser. Non, je peux pas. Passez une bonne soirée. La vie n'a pas de limite. C'est nous qui nous limitons. C'est nous qui nous limitons. C'est nous qui nous limitons. Et nous laissons les gens nous limiter. Nous laissons l'environnement nous limiter. Nous laissons la télé nous limiter. Nous laissons la famille nous limiter. Nous, oh my God, je peux vous citer des... Adios.